Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, c'est Elkilou, il s'agit de l'épisode numéro 18292. Non, surtout l'épisode numéro 4 de Vampire. On est parti, ça se joue au pad, j'allais jouer à la souris, ça aurait été ballot. Alors, on venait juste... Sélectionner, oui. Continuer, oui. On venait juste d'arriver sur le chapitre 3. Alors, j'ai regardé rapidement... sur le net pour voir combien il y avait de chapitres. Je regarde ça souvent en général pour voir un petit peu près où on en est du jeu. Il y a 6 chapitres et un épilogue. Techniquement 7 chapitres. J'imagine que l'épilogue est beaucoup plus court que les autres. Donc on en a à peu près à... On en a à moins de la moitié. Voilà. Donc si mes calculs sont exacts, nous sommes à l'épisode 4, on va dire 9 épisodes. Donc d'ici un mois, je pense qu'on l'aura plié. Je rappelle que le prochain jeu d'horreur que j'ai envie de faire, sauf si Scorn sort avant, ou qu'il y a un jeu d'horreur qui sorte qui me plaise vraiment bien, l'idée c'est de partir sur Darkwood, vu qu'ils ont sorti la trad FR, même si apparemment tout n'est pas forcément traduit et que les traductions sont pas forcément top. Je pense que ça sera ça. Déjà la moitié, bah moins de la moitié vu qu'on est au début du chapitre 3. On va boire des gens, carrément. Carrément. Alors, comment ça marche déjà? Comme ça... Ah ouais, on avait foutu le bordel. On avait foutu grave le bordel ici. Je crois que du coup, c'est la zone est pas très cool. Mission principale. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a terminé de cause à effet. L'œil était dans la tombe. Allez à l'enterrement de Marie. Ok, on va aller à l'enterrement de Marie. Donc j'imagine... hein? Vas-y, je peux pas... Je peux pas sélectionner. C'est bizarre. Comment je fais pour zoomer? Comme ça, voilà. L'enterrement de Marie est là. Bah tiens, on va aller voir ce que c'est que l'événement inconnu qui est survenu. Ok. Donc on va... On sort par là, on va tout droit. Hop, bah c'est parti. Des suçons au cou, c'est un gros signe d'affection. D'affection ou d'infection, Avia? I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. Bah c'est lui qui l'a buté. Ça sert. Merde, c'est pas par là. The truth about what happened to us. Oh. I swear. Je pense que il faut que je me déplace. Ah ouais, du coup, hein, l'overlay, il va falloir que je modifie certaines choses. Voilà. Au fur et à mesure. J'ai vu un truc qu'on peut ouvrir. On peut ouvrir ça? Merci. Ok. Câlin de Belette. Qu'est-ce qu'il fait, Belette? Il est où, Belette? Pourquoi il est pas là, Belette? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Il va bien? Parce que je sais qu'il lui est arrivé quelques galères récemment, là. Donc, j'ai discuté un petit peu sur Twitter avec lui. Il est en live, peut-être, là, en fait, non? T'as du quartier critique. Voilà, ça craint. Hein. Comment faire? Oh, viens, Matt. Ah là là, j'ai pas besoin, mais c'est tellement bon, les rats. Oh, madame. Madame est morte. Ok, vous me direz si le son va bien, s'il faut que je fasse autre chose, si y a des trucs, si l'interface cache certaines choses. N'hésitez pas. Ah, tu disais ça pour les suçons, d'accord, ok. J'imagine que le gars en dessous, il est pas très gentil, donc on va l'éviter. On peut aller là. On est déjà rentré ici, regardez. Tac. Ah ouais, il y a plein de vilains en fait, même un gros méchant. Ok, nickel. Par contre, je voulais savoir c'est quoi l'événement. Il est juste à droite en fait. Non. J'ai changé d'arme. Je me suis dit en fait que l'arme à deux mains c'était pas forcément top. Mais je me rappelle comment on fait pour utiliser. C'est Y pour utiliser le flingue, ok. Ok. Donc là il y aura un événement. Ici là non? Ah non, c'est juste là où on est en fait.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas ce qu'ils veulent dire par événement. J'imagine qu'il se passe un truc, mais... Oups. Je peux pas rentrer là. Ok. Cogneur de Prilwen. Niveau 16. Wow, comme il est vilain. Il m'insulte et tout. Ah, il est tout seul, donc ça va aller. Aïe! Ça, ça permet de se remettre un petit peu dans le bain. Comment je fais déjà pour stun? Ah. Non, non, non. Mais, putain. Ok, d'accord, 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 on se calme. D'accord, super. Bon bah ça c'est fait. J'espère qu'il a pas sauvegardé trop loin. Coucou Coucou Valfi, comment ça va? Bienvenue. Bah, faut que je mette le ventilo aussi. Alors je sais pas comment ça se passe chez vous, mais ici il fait un peu plus frais que d'habitude. Putain, on est loin en fait. Il fait un peu plus frais que d'habitude. Est-ce qu'il y a les orages? C'est par là. Du coup, j'ai plus de... T'es malade, Valfi? Ah, merde, je suis désolé. Bah, soigne-toi bien en tout cas. Du coup, c'est... c'est bizarre, hein, parce que... Le temps est passé de 35 degrés à 20 degrés. Et je pense que c'est un peu pour ça que j'ai mal aux yeux aussi. Mal à la tête. J'aurais peut-être dû tenter contre un mec comme ça en fait. Quoi qu'ils sont plusieurs en fait. Non. Je vais aller là. Tu peux me téléporter, merci le jeu. Très cool. Le temps un peu fraîchi en Europe, mais il fait pas froid non plus, sauf peut-être la nuit en ce moment. C'est à ce moment-là que je suis tombé malade. D'accord, ok. On traverse ça. C'est la même ici, ok, d'accord. C'est marrant comme le temps peut changer alors qu'on est à des milliers de kilomètres de distance et change en même temps. Ah merde. Ok. Des trucs à l'autre temps. Ok. Comment est-ce qu'on fait? Alors en fait je peux pas. Non, je peux pas. Je peux pas stun, il faut vraiment que je change comment. Non, c'est pas ça que je voulais faire, non, pas du tout. Ok, d'accord. D'accord, et pour. Ok. Je suis obligé de passer à la demain pour stun, j'ai l'impression en fait. On va essayer de. Revanche. 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 Il est. Il... Par contre, il a des potes donc. Le vampire qui tire sur un fantôme, c'est vraiment très surnaturel comme jeu. Quoi? Où t'as vu un fantôme? C'était le nom du gars peut-être. C'était pas un. C'était pas un vrai fantôme, même si c'était son nom peut-être, je sais pas, j'ai pas vu. Bonjour monsieur. Stop now. Eh bien là. Mais merde. Faut que j'ai mon enduit, c'est vrai. Voilà, et là on va faire. Ah, mais non! Oh!
Un truc comme ça. Ok, donc faudra que je passe à la demain pour Stun. Il appuie, ah ça c'est génial l'orage, il fait frais là. Bah c'est un peu pareil, mais alors, je vous préviens, justement, vu qu'il y a de l'orage, si ça se trouve... si ça se trouve, il y aura des problèmes de connect. On va croiser les doigts pour que ça arrive pas, mais bon. Ok, pareil ici, la pluie, il fait presque froid maintenant. On doit être sur le même très grand nuage. Ouais, j'avoue. Non, tu tirais dans le vide tout à l'heure. Ah ouais, parce que j'avais oublié de sélectionner, en fait. C'est le problème, en fait, de jouer à un jeu, de laisser une semaine entre deux sessions de jeu, en fait. Valfi, tu dois en savoir quelque chose. Bah, du coup, on perd un petit peu. On sait plus comment on fait pour jouer, en fait. Sister, I don't know if I have the strength. Ah, j'ai l'impression qu'il y a mon... Désolé, je regardais s'il est... J'ai coucou, ça va. Le processeur de mon PC stream, en fait, commence à devenir un petit peu... commence à tirer la tronche, en fait. C'est pas top. Donc si jamais il y a les ralentissements, vous inquiétez pas. Veuve en détresse, nouvelle enquête. C'est peut-être ça l'événement dont tu parlais, en fait. Pas ce que je vais faire. Non. C'est chaud 3 quand même. Mais putain! Ouais, ta gueule. Sérieusement, je veux tirer. Je veux... Ok. Non. Ah! Non, je veux changer d'arme. Nom de Dieu! Ah. Ok, on tue, on esquive. Hop! Ta gueule! Voilà, ok, ça commence à revenir. Merde, y'en a un autre. Vraiment entendu. Merci. Ah. Ça a l'air d'être un plus costaud, lui. Et l'autre qui continue à crier alors qu'il n'y a plus personne sur son sur sa tronche. Oh, Jean. Allez. Coucou Miala, bienvenue, comment ça va? Voilà. Ah bah putain! Ok, je crois qu'en fait je regrette un petit peu. Je pense que l'arme de main elle est mieux au final. On va garder ça par défaut. Ok, elle est où la pépette? On est arrivé par où? Duval, putain, je suis le pari à Jim là-haut, courir dans tout le champ. J'entends libérer délivrer car elle qui a passé un boss de Cuphead. Lol, il était pas là, je crois, en plus, Valfi. Il était pas là à ce moment-là. Je pouvais pas savoir. Elle est là, non? Elle est là. Somebody help! Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic.
They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiao Shun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Tu crois qu'il faut qu'elle aille au ciné, ce cimetière? Ouais. Ouais, je pense qu'elle va y aller. Hein. On a pas un niveau de charme suffisant. C'est dommage parce que, bon, elle est en bonne santé. 1500 d'XP. Bon. Allez. Et en plus, elle a pas l'air d'être très importante parce que. Il n'y a pas de dialogue. On pourrait essayer, remarquez, on pourrait essayer quand même. Non, on peut pas, c'est rouge. Chier. Oh là là. Bah ça va carrément, bien là. Je suis un peu. Avec le changement de temps, en fait, de température, je suis un petit peu. Carnage. Dans les vapes, on va dire. Father Whittaker's disciple among the bodies, I wonder. Ok, il y a des trucs à l'autre ici, c'est cool. Il y a un mignon Carnage. This man's far too old to be Samuel. Okay. No. By the look of his clothes, this man's a docker. A docker? Et ouais, j'espère que ça va aller mieux très vite, Valfi. Bah alors, t'as dit que tu voulais y aller? Shouldn't you go back home, where you'll be safe? Maybe later. But for now, I need to talk to my husband at the cemetery, Mr. Reed. Okay. Ah, ok. Alors, on doit aller par là. Shashiraza et Pio étaient sur PUBG Broadcaster Royale. J'espère qu'ils sont qualifiés. Parce que c'est un tournoi, donc, c'est ça? C'est un tournoi de streamer, j'imagine, sur PUBG. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi est-ce qu'il y a un... C'est quoi l'espèce de visage à droite? C'est un mob particulier? Il a l'air d'être un peu tout pourri, je pense. Ah, salut toi. Ça va bien? Oh! Genre. Ça t'apprendra. Oh, oh, oh. Non mais... Tac. Où est-ce qu'il est l'autre cadavre? Voilà. Un petit tournoi qualification EU pour Seattle et 300 000 dollars de récompense. Oh, rien que ça. Ça va. Les sous. Vraiment pas beaucoup d'XP. Hein. Va falloir. C'est vraiment quand même vil le fait qu'il faille tuer les gens pour avoir de l'XP. Oh, salut. Oh putain, mais le jump. Viens là, attends, je te finis. Putain, mais sérieusement? Tiens! Allez! Fume-moi ton sang! Et crève! S'il te plaît. Merci. Ok. Ça va, tout cela c'est des méchants, mais ils me rapportent pas d'XP, vraiment pas beaucoup. Hein. Là, j'étais à 350, ils m'ont rapporté 20 d'XP chaque. C'est pitoyable. Tandis que les PNJ, les vrais gens, si je les bois, ils rapportent des. Enfin voilà. Par paquet de 1500, quoi. Enfin. Il n'y a pas de gentils finalement. Bah allez, s'il n'y a pas de gentils forcément, mais il y a les innocents. Je pense qu'on peut dire que les innocents sont gentils. Attends. Ah, faut que j'aille là-haut. Est-ce que je peux jump? Apparemment pas. Donc faut que je fasse le tour en fait.
Après, les trucs que je bute là, c'est des ghouls en fait. Ça, c'est même plus des. Enfin, ils ont plus rien d'humain. À part leur apparence. Je peux pas rentrer là, y'a rien, ok. Y'a quoi ici? Ça me l'air bien vide là. C'est suspect. Et qui nous va-t-il céder la tentation ce soir et boire plein de gens? Bah y'a les chances quand même. Je veux dire, je suis en train de me dire que... En fait, s'il y a un équilibre, mais plus tu bois de gens, plus t'as d'XP, plus t'es balèze. Mais d'un autre côté, plus tu bois de gens et plus la situation est grave dans les quartiers. Du coup... Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Ah, ok. Un endroit discret. Allez. Popcorn. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Je commence à râler bien les yeux rouges. Hein. Oh Mary, what have I done? If I could only change one thing, this is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do. But accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. Ha ha! Put the lime in the coconut and drink and boat up. Put the lime in the coconut and... La lavia. Ah, c'est Doctor. Ah oui, je me rappelle. Faudrait qu'on continue d'ailleurs à Alan Wake, enfin qu'on fasse la suite American Nightmare. Bref. J'ai appris qu'ils veulent un reboot de Buffy. Ouais, moi aussi, je crois, Arnaud. Je comprends pas comment elle arrive à pas avoir les yeux rouges et les veines qui lui sortent des paupières, alors que nous, on est complètement dégueulasses. Hein, je me demande. Alors, elle était la montée incarnée. Je me sens hypocrite, on dirait une mauvaise plaisanterie. Je me sens hypocrite, carrément. I wish the tears would come, but I'm empty, and I feel a hypocrite. Let your pain run free, Jonathan. Don't smother it. What you feel is your humanity. Don't be so quick to lose it. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me, and it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this.
You must learn to live with what happened. Peut-être qu'elle mange mieux la vampire, tu manges presque que des ramoisies, toi. C'est pas faux. Darren n'arrive toujours pas à croire que tu fasses ça. Pourtant, ouais, mais bon. Ouais, mais en même temps, les rats, enfin, je veux dire, c'est bien, je dératise, c'est pour la communauté que je fais ça, en fait. Dis-moi comment. How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve. And the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Mange-la. Mais non, mais c'est une vampire. Je vais pas manger un des miens. Je suis vos conseils, je suis pas un homme de foi, vous avez peut-être raison. Mais allez, je l'aime bien. Merci, ma lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? Saint Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Non, mais les yeux qu'il a, quoi. C'est ouf. Des rats burgers. Hein. Ok. Se rendre à l'église Saint-Marie. Et la veuve en détresse, j'ai toujours, c'est marrant, j'ai toujours la mission, mais... Mais il se passe rien. Loretta Swanborough. Une seconde. Quand il a toujours de la tête, il est sous héroïne, le pauvre. Bah, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre qu'il ait cette tronche-là. Est-ce que c'est parce que justement je bouffe pas assez? C'est possible, hein? On peut aller là? Non, c'est fermé. On va suivre le chemin. C'est peut-être juste ça en fait. Parce que là, très honnêtement, moi je vois un médecin comme ça, je fais je vais aller chercher un autre médecin en fait. Ok. Oh, deux secondes. Je mets la pause, je mets le ventilo. Drinking bowl up. Ah, pourquoi tu m'as mis ça dans la tête, viens, vilain, va. Alors, faut que j'aille par là, mais est-ce que je peux faire le tour, hein? Oh. Oh putain, non, je voulais choper la poubelle en fait, moi. Non, bah tant pis, hein. On est bien là. Ok. Faut boire le coup de 5 personnes et pas des légumes par nuit et la base de la vampire. La base du chef des vampires. Là, là. Merde! J'aurais peut-être dû en choper un. Ah, quoique, attends, je peux peut-être passer par là. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. Niveau de charme 3, ok, okay, d'accord. All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir. I shan't insist. Oh putain, ça s'utilise plus, hein.
Ah oh, à nous trois. Oh putain, mais ils sont combien? Mais lol. Mais y'a combien là? Y'a combien de... Ils sont combien, sérieusement? Quoi ce bordel? Y'a beaucoup de monde là, en fait. Peut-être que je me barre. Ah oh, c'est calme. Et en plus il... Ah merde, c'est fermé. Ok. Non bah on est obligé hein. Vache, comment il fait mal lui? Non. Ok, d'accord. Vache. Oh mon Dieu. Non. Ils font super mal. Les portes là. Ah, sérieusement. Ok. Ils sont 16 en fait. Il est mort, je l'ai buté l'autre. Ok. Ils ont 3 levels de plus que moi en fait. C'est peut-être pour ça que ça fait mal. Ok, on va finir. Il est mort. Ok, nickel. Bah putain. Costaud un petit peu là, les pépères. Vache. Je peux looter ma poubelle maintenant. Trop cool. Ok. Merci. Ouais, je pensais bien que ça allait le faire. Hein. Très honnêtement, je pensais que j'allais rip là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas croisé de boss, c'est vrai. And off to church he goes. Ben, dis donc. A newborn seek divine consent to lick the blood. Pourquoi t'as dit ça, pas pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Oh là là. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Il est grand, le monsieur. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel.
C'est du boss décline toute responsabilité. Lol. Dites juste pour être sûr, vous voyez pas de ralentissement sur le live au niveau vidéo, y'a pas de souci. Putain, j'ai un truc de... Fais chier. Ne toussez pas, oh, on a déjà lu ça. Ne toussez pas en public. Il y a un vilain... Ouais, mais j'ai cru qu'il allait avoir un boss. Tiens. Gram. Voilà. Nickel. C'est ma poubelle. Tu fouilles pas ma poubelle. Ça va, la stream, ok, cool, merci. Parce que là, le vraiment, le pros, il est à la limite. Il est aussi entre 90 et 100% de ressources. Donc ça m'inquiète un petit peu en fait. Merde, à chaque fois je me fais avoir. Je crois qu'il y avait un truc là. Ok. Rien. Oh là là. Faut qu'on continue. Ah, faut qu'on... Je crois que j'aille à la chapelle. Ok. Bon bah encore un fight, c'est cool. D'accord. 16 et 14. Que pour un docteur, t'as vachement de monde. Attends, juste que pour un docteur, t'as vachement de mandant et en plus. Et tu plus que tu soignes, ça m'inquiète. Oui, bon, ben. Oui, bon, ben. Oui, c'est... Après. Oh là là, il est. Oh là là. Oh là là. Il y a un loup garal. Hein. Un loup garalou. Je veux pas aller le déranger, hein. Tout va bien, hein. Ok. De toute façon, la personne qui, tue, enfin qui bouffe, est déjà morte. Ah, là on a des enfoirés. Ah. Pop, 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 pop. Fun. Oh my god. We have to stop it. Oh mais ouais, il y a un boss, enfin il y a un mini boss. Je me casse. Tout va bien. Voilà, nickel. Oh là là. Fitz. Le 13e mois. Le 13e mois, c'est toujours cool. Ça. Merci Fitz, bienvenue à toi et merci beaucoup pour le 13e mois de sub. Abusé, Fitz. Cool. Je sais pas si t'es là. Tu dois être là, c'est obligé. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que je ferais? Ah, il faut aller par là. Je rentre dans l'église. En direct du concert. Mon dieu, tu sub en direct du concert. Cool. J'espère que le concert irait bien. Et puis, bah, merci de... De passer sub juste là pendant ton concert. Cool, cool, cool. Allez, rentrons dans l'église. Faut pas faire trop de bruit dedans. Est-ce que c'est l'église, quoi? Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted.
I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. J'ai pas besoin de compagnie, j'ai pas besoin d'un confident, ça a l'air d'être la même. Il s'agit d'une affaire personnelle. Ça a l'air d'être un peu agressif ces deux réponses-là, on va répondre ça. You seem to me a good soul, vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Mes mots sont pour une défunte, je vous l'ai dit, c'est une affaire personnelle, ce ne sont pas vos affaires. C'est vraiment agressif, c'est de là. Donc on va continuer là-dedans. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage. Yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? On peut le sucer, on peut le mordre, le prêtre. Hein? Non, il est sympa. Dernier épisode, j'ai pas l'impression qu'il était si sympa, je me rappelle plus. Fitz, encore merci. J'imagine que tu vas pas rester. Bon concert, bonne soirée à toi aussi. Ciao, ciao. C'était ma sœur, sachez seulement que je tenais à elle. Allez, on peut lui dire, de toute façon. She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? C'était un accident, elle ne reposait jamais, elle a été assassinée. Est-ce qu'on lui dit la vérité? Si on lui dit elle a été assassinée au final, elle a été assassinée par moi, donc si c'était un accident... ouais, c'était un accident quelque part. Il était pas en contrôle de ses pouvoirs. Enfin, elle repose à jamais. Bah oui, c'est évident. Allez. It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? Je me sens responsable, elle est morte par ma faute, j'aimerais pouvoir oublier tout ça. Il avait pas l'air cool le prêtre, il avait dit du mal de la... Ah, c'est vrai, il avait dit du mal de la Nurse Crane, exact, c'est pour ça que je me rappelle de ça vaguement. Cool, pomme, merci. Bon, de toute façon, là, c'est trop tard, mais je me sens responsable, il est mort par ma faute. Allez, on lui dit, voir ce qu'il dit. She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? Pardonne-moi, c'était pas moi, je le jure, je te promets de trouver le responsable. Ah. Pardonne-moi, c'est pas mal. Alors, je pense que c'est ce qu'il ressent, il veut qu'elle lui pardonne. C'était pas moi, je le jure, on peut pas dire ça parce qu'effectivement c'était lui. Même si quelque part c'est pas c'est indirect, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait indirectement. Je te promets de trouver le responsable. Ça peut être pas mal aussi, en fait. J'hésite entre pardonne-moi et je te promets de trouver le responsable. Pardonne-moi. I killed you. Oh. There's no excuse, my dear Mary. Forgive me. Oh, il cache comme ça. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Ok. Vive la religion, moi je dis. Ah bah je me sens mieux maintenant. Dieu est d'accord, il m'a pardonné et tout va bien. Ce que j'ai fait, c'est effacé. C'est voulu qu'il s'appelle là. Joseph l'Arabé. Pas l'arabe. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Mais c'est vrai qu'il a l'air moins timbré que la dernière fois, le prêtre, bizarrement. Bah oui, c'est vrai. Hein.
c'est pas grave, au pire. Pourquoi est-ce que je peux passer par là? C'est chiant. Retrouver Edgar Swansea à l'hôpital. Ok, faut que je rentre à l'os, toi. Il n'y a pas de... Ah, c'est Clayton Darby, fatigué. Tiens, on va lui recoser. Good evening, doctor. Can I help you? Ah, il est cool, lui, je crois. Do you need assistance? That would be nice of you, doctor. Who knows what I may have caught you in my investigation? Allez, on lui file. Oh. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Ok, du coup. Do you need assistance? Mais non. Save your time for the people who need you here, doctor. À chaque fois, je confonds. Oh. Ouais, je peux pas le charmer. Niveau 4. Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? It appears the dispensary is now a major source of contagion in Whitechapel. Someone should do something about it, but no one cares. C'est le Joseph de Point, lol, ouais. Ok. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Je l'aime bien, lui. Je l'aime bien, lui. On l'a juste, on lui a juste filé ça pour qu'il aille mieux. C'est bien. Allez, alors, par là, j'imagine. J'étais verrouillé la porte à la base, d'accord. Oh, ça pue, là. Ouais, tiens, Twingo. Ils sont combien? Dommage que je puisse pas sauter sur les mecs. J'aimerais bien. Ah, c'est vrai qu'on peut pas se cacher dans ce jeu. Ils nous voient au travers des textures en fait. Bastard! Ah, y'a un gros en fait. Wow, on se casse. Tout va bien. Tu peux t'accroupir pour être fufu? Non. Être fufu, faut marcher lentement en fait. Comme ça. Over there! Papalapapap. Ah merde. Oh putain. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. The fuck? You. I remember you. Salut. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Myrdine, entité mystérieuse. Ok. Donc c'est notre papa en fait. Bonsoir, Jim Lao. Je vais pas crier comme toi, hein, quand même. Arrêtez votre vie, qui êtes-vous pour moi? Qui êtes-vous? On sait. Tell me what you are. I am the whitened bones and blackened soil. The land made blood coursing through thy veins. What is it you seek? This age is sickly. An ancient. An older rage brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. The fuck? I've had enough of others making decisions for me. Pretending to know how I should feel or behave.
Okay. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? C'est une bonne question. Maybe Edgar can help me with this one. Okay. Alors, j'ai gâché des trucs tout à l'heure. Donc je vais en refaire une autre. Voilà. Et on va faire aussi ça. On va pas faire qu'un. Pour la fatigue, on en a d'autres. La bronchite, tiens. Ça. Fatigue, il y en a plein qu'on ait de la fatigue. On va faire plusieurs. Anémie, j'en avais plusieurs aussi. Ruminant. Tiens, allez. Cool. Nickel. Oh, est-ce que j'ai looté les trucs pour améliorer mes armes d'ailleurs? Là, mon bâton. Non. Ok, faites vos courses avec YOLO. Mais non! C'est pas YOLO qui fait mes courses là, c'était mûrement réfléchi. Pomme, j'ai pas fait au pif. Je sais très bien que je vais avoir besoin. Il y a plus de gens qui ont de la fatigue et de l'anémie, de ce que j'ai vu. Attention. Comment vas-tu, Jim là-haut? Qu'est-ce que je vais rajouter une phrase à Miyoka? Si vous n'aimez pas la chaîne, qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi tu voudrais rajouter ça? En fait, Jim là-haut. Swansea, il est juste là. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the guard. Uh-oh. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Parce que Miyoka disait, si vous aimez la chaîne, faut bien penser aux autres. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais que je mette à la place, Jumlao? Les gens qui aiment pas la chaîne, eh ben ils passent et ils s'en vont. Pas besoin de le préciser, c'est vachement négatif. Je comprends pas ta blague. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Je sais pas de qui tu parles. Ok, la confiance envers l'hôpital doit être restaurée. Personne ne remarquera quelques cadavres supplémentaires. Craignez-vous pour votre réputation? Are you worried about the situation or your reputation? Now is not the time to think of oneself. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Je vais vous aider. Allez. Very well. I'll help you. Jonathan, please. I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge,
but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Le chat décide d'aider les gros streamers et un petit débrouillez-vous. C'est pas nouveau, Arnaud. Je comprends pas. Le perso principal a des yeux chelous. Ouais, il a les yeux un petit peu rouges en fait. Je protégerai tous, ils ont pas tout à fait tort. T'attaquons pas. Allez, je vous protégerai tous. Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Yes. On va aller sucer on va aller mordre Hampton. On est d'accord. Le triste saint de l'East End. Trouver Sean Hampton dans les docks de l'East End. Ok. Ça marche. On va pas Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Ma chambre, elle est où? C'est par là. Et ouais, je pense que c'est parce que on a mordu quelques coups en fait, Jim Lowe, que ça fait ça. Ok, c'est loin. J'ai dit. Non, mais j'ai pas dit sucer, j'ai dit mordre. Enfin, je veux dire. Je me suis repris quoi. Je sais pas. Oh là là! Ok, Bam, 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 bam. Donc c'est par là-bas. It seems the Prewen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Best be moving on. Ok. Je veux grimper là-haut. Voilà. It's locked, all right. Par là-bas. Ok, il y a plein de vilains là. Plein de vilains. Par où est-ce qu'il faut passer? C'est loin en plus, hein. Vache. C'est chelou qu'il n'y ait pas de téléporte dans ce genre de jeu. Je peux pas... Ok. Sorry, sir. No admittance. Je me casse, t'inquiète. Putain, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Je passe par là. Ok, no problem. Ouais. ok. Ah. Je sais pas si je préfère affronter Prewen. Chaque fois, j'ai envie de dire Prewen. À cause de Dark Age of Camelot. Il y a un château qui s'appelait Prewen. Ou si je préfère affronter des. Des ghouls. Tiens, si par exemple je suis là. Hop. J'ai foiré mon. Putain, ça fait mal! Super mal! Non.
Si. C'est un vampire noble qui sait pas encore se téléporter ou bouger vite. Mais si, il sait. Regarde. Hop. Je sais faire. Ou tu veux dire les mecs que je tape? Grand couteau, un grand et beau couteau. Avec un nom gravé sur la lame. This must be Clay Cox's knife. Ouh. A fine blade. Ah. No wonder he wants it back. Pardon. C'est trop tard, hein. Je l'ai tué avec les cox. Je peux pas utiliser le couteau pour ma tronche. Machette usée, non. Tant pis. Par là. Votre roi et votre pays ont besoin de vous. Engagez-vous. Ouais, trop bien. Ok, je peux pas me téléporter là. Bougez vite sans limite. Ah, tu veux dire, ok, téléporter sur de grandes distances, quoi. Ok, comme je disais. C'est vrai. Peut-être qu'il faut le temps que ça se développe. Je ne sais pas. Bon, bah, je vais être obligé de passer par le pont, hein. Putain, il va mettre 3 et 4 levels de plus, quoi. Mais putain. C'est chaud. Crève. Non. Aïe. Vache. Murdering bastard. Ok. On peut toujours trouver des ennemis avec un petit level. Ouais, mais en fait, ça dépend d'où tu te trouves, en fait. Et j'ai l'impression que plus la situation est grave dans les quartiers, et plus les levels des monstres sont hauts, en fait. J'ai plus d'endu là. Je sais pas du tout. Oh, mais c'est un boss! Ah, mais c'est un boss! Je me disais, il a pas de barre de vie au-dessus de la tronche. Endu. Bien looté un truc, le boss. Il a une jolie barre de vie, mais elle descend vite, ça va. Ouais, il était pas très très difficile. C'était une barre de vie commune, en fait, je pense. Surtout. Alors, il me loote rien, ce coup. Si, enfin, quelque part, il a looté. Il a looté ce qu'il y avait dans l'endroit, en fait. Oh. Voilà. On dirait que c'était un mini-boss. Mini-boss mignon. Il était mimi, quand même. Oh, y'a un truc là. Il se passe quoi là? Ah, mais non. C'est mon pointeur. LOL.
Non, je vais tourner à gauche. Et ça devrait être bon, non? Si on peut voir la porte. Oh, il était mignon, attends. Il a les petits yeux blancs, tout mimi. L'état du quartier stable. Ah bah c'est une bonne chose. Si c'est stable. Y'a quoi là? Bonjour. Je viens boire un coup. Ah là là, tout le monde l'a fait. Ok. Lettre de candidature. Bonjour Franck. Comment vas-tu mon vieil ami? Ça m'a vraiment fait plaisir de te voir la semaine dernière. La prochaine fois, tu dois me laisser te payer une tournée. J'espère que tout se passe bien de ton côté de la ville. Ici, dans ton ex-quartier, la situation ne fait qu'empirer. Clay devient de plus en plus violent et il ne parle que d'étendre notre territoire alors que le nombre de nouveaux venus, souhaitant s'en tailler un bout, ne fait que grandir. Les Wet Boot Boys sont dans un sale drap. J'en ai bien peur. J'ai donc pensé à ce que tu m'as dit la dernière fois que nous sommes vus. Au fait que tu n'as jamais regretté d'avoir quitté le gang, que ton seul regret soit de ne plus jamais pouvoir remettre les pieds dans l'East End, à moins de vouloir recevoir une bonne dérouillée ou pire. Bien, je veux que tu saches que tu auras ma protection si jamais tu décides de refaire un tour par ici. Peut-être qu'on pourrait se revoir pour parler affaires et discuter d'un nouveau job pour moi. Comme tu le sais, j'ai toujours été bon avec les chiffres. Alors si jamais tu as besoin d'un comptable dans ta compagnie, n'hésite pas à m'en parler, ok? Passe le bonjour à ta femme de ma part. WBB pour la vie, mon frère. C'est signé Booth Digby. Bon, ok. Son frangin est mort. Enfin, pardon, il est... il a été bu. Il a été consommé, on va dire. Donc, enfin, son frangin... Ça doit être un frère de... C'est pas vraiment son frère, quoi. Alors... Ça me fait clignoter les yeux de lire du gris sur noir et de revenir au jeu après. Mal. Oh, salut, c'est peut-être lui en fait. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed. Ah, c'est lui. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Je l'aime pas lui. Ah putain, il... encore. Niveau 4, mais putain. Oh, les relous. T'es un milicien. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. Okay. So, tell me about your gang. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. Ah. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. Je crois que c'était l'autre, le boss. Du coup, il a repris le... la tête. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need. And we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here, like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Mm-hmm. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cat. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well.
Tom Watts, ok. Goodbye, Mr. Digby. Bien, alors lui, si jamais on peut le... Hein. Ok. Il y a des trucs là? Non. Elle s'est fermée. Bon AFK, j'ai bien. Rassembler des informations sur l'endroit sur. Ouais, bah voilà. Donc c'est Edwina là, c'est ça? Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? Yeah. What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I don't have any money for you leeches. I'm not here for charity, miss. Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Cinq. Mais bordel, 3000 d'XP quand même. Okay. Allez. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. Huh. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. Okay. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the grave diggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That's... That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Je sais pas si on veut faire ça, en fait. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. Are you aware of what happened to him? Yes. I'm sure he fought till the end and looked death in the eyes. Bof. The boys will mourn him. Except one of them, maybe. Je rappelle que son mari, c'est... On l'a... Voilà. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Okay. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. All I have. Alors tiens. On a combien? 233 gold. Et on peut lui vendre des trucs. Achète de clé. Et si on lui vend la hache de son mari, ça donne quoi à votre avis? Apparemment, elle s'en fout. Les balles, non. Pas trop envie. Tiens. Cachette, non. Ça, je pense pas. Ok. On va s'arrêter là. Tac. Merde. Merde. Without the wet boots keeping things straight, these parts would be running completely amok. Ok, donc on a chopé un autre indice pour lui en fait. On va y retourner lui parler.
you again. What do you want? Question personnelle. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really. One of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done around here. No one gives a shit. Quelqu'un finira par vous tuer. Don't you see it's an endless spiral? One day, it will be you who will be stabbed, or shot, or worse. My sweet Edwina always says that one day I'll get it too. But she says it with the most beautiful smile, my Edwina. I know you're looking for an honest job, Booth. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know? Okay. Goodbye, Mr. Digby. Bien, donc on continue par là. Donc on se balade dans la zone et qu'on parle aux gens. Ok. Bonjour. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Quitte à ce qu'il soit mort, j'aurais bien aimé que ce soit moi. I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. A monster. On peut pas leur parler apparemment. With icy claws. He comes of a sudden, okay. Nighttime, claiming innocence. Le turquoise turtle. Le turquoise turtle. Oh mon dieu, diablesse! Merci énormément pour ton follow et bienvenue chez les Kinos. Diablesse. On va parler à lui déjà. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize? Whatever. We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you this time. Coucou Diablesse, bienvenue à toi, merci encore pour le follow, et puis Eh ben écoute, j'espère que ça va bien. On est encore sur Vampire pendant une heure et demie, et après on passera sur Dreamfall, comme prévu. Alors, viens là. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Tu vas toujours bien? Eh ben ça c'est bien. Tant mieux. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon, I'll drink at night. Okay. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Oh, c'est bien dit. No reason at all to rejoice, then. Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Ok, allez, vas-y. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. A bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts. Fire. Broken window of the shoe shop. The torn streetlight. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. And now I can't remember where it was.
I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is, I'm not sure I'd memorize it. Okay. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. Uh-huh. No reason at all to rejoice, then. Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. C'est marrant, ça. Another time, perhaps. D'autres... I'm not sure I want to hear. D'autres choix, et en fait, ça donne la même chose. Ok. C'est pas grave. Tac. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist, and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Hmm. Do you really think the world is that bad? No. I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. Oh là là! Oh là là, Neutral, merci beaucoup pour le host. Bienvenue à toi. Ok. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor. Make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit, I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Coucou Neutral, comment vas-tu? Merci beaucoup pour le reste. Ok. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad saint. I'll try asking Tom Watts. Ça fait deux fois qu'on a dit Tom Watts. Ok, faut qu'on trouve Tom Watts. Goodbye, Mr. Delaney. Comment vas-tu, Neutral? Merci, Paul. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me, then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Ah, c'est lui. Welcome back, Doctor. Salut tout le monde, on était un peu plus nombreux, mais ils sont partis. Mais y a pas de soucis, Neutral. Ça va, c'est le week-end, donc ça ne peut qu'aller bien. Et bah pareil, week-end veut dire stream. C'est vachement calme ce soir, en tout cas, je pense que c'est l'effet vampire. À mon avis, les gens ont dû se lasser du jeu. Mais étrangement, d'ailleurs, j'étais en train de regarder. Vous êtes 12 sur le canap, mais. Enfin, il y a 20 personnes sur le chat en fait. C'est étrange. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur le chat sans être sur la chaîne. À mon avis, c'est les bots. Ou là, il y a plein de bots, je ne sais pas. Mais ouais, non, ça va carrément. Carrément, comme d'hab. Ah, attendez. Pourquoi c'est quartier. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Non, mais en fait, on a. Merde, comment on fait pour passer? The people like the sad saint that he... Who? Voilà. Parce que on a déjà. Ah, mais non. Deux secondes. What can you tell me about je crois qu'on avait déjà demandé en fait. It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. Depuis ce matin, j'ai pas mal de soucis sur le comptage des views Twitch. J'ai de gros soucis avec Wizbot aussi. D'accord, ok. Bah, c'est peut-être l'API Twitch qui déconne. Mais bon, c'est pas grave. À partir du moment où les gens qui sont là s'amusent, c'est tout ce qu'il faut.
Enfin, qui s'amuse autant que moi, en tout cas. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. Ah ouais, donc, ok. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Well, something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Clé de l'entrepôt. Ok, cool. Tiens, d'ailleurs, I'm not about, I'm a human being. I'm a troller. T'es un troll, mais t'es pas un troll. T'es tout sauf un troll, Avia. Oh, il est que 3, lui. Ok, on va pas le tuer, lui, de toute façon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire, d'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question, je crois que je l'ai dit la dernière fois, on m'avait demandé. Je vais faire principalement la quête principale, sauf s'il y a vraiment un problème de level et qu'il faut que je fasse de l'XP, je vais pas forcément m'attarder trop sur les quêtes secondaires. L'idée, c'est de suivre la quête principale, s'il y a des quêtes secondaires à faire autour, et ben on les fait, mais je vais pas chercher 3 plombes à faire les autres. Voilà, vous êtes prévenus. Êtes-vous une sorte de pilier de cette communauté ? You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Okay. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? Ah oui, c'est vrai. The important thing is I find him quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Il est un peu longué comme jeu. Ouais, en fait, c'est juste qu'il y a... Enfin, il est sympathique, mais... comment dire? Les missions... Enfin, aider les gens dans la ville, ça me... Enfin, le jeu m'a pas donné envie d'aller aider spécialement les gens dans la ville, quoi, on va dire. Et par contre, le jeu me donne envie de savoir ce qui... Pourquoi est-ce que j'étais transformé en vampire, etc., etc. Mais... voilà, puis il y a énormément de blabla, en fait. Énormément. Et du coup, ça rend les choses pas super dynamiques. Mais bon, on verra bien. I believe he returned to his flock. Je vais juste pas prendre la tête en tout cas. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. Would explain his faith and need to help everyone. À Dublin? C'est un néerlandais, d'accord. Coucou Dr Cox, bienvenue. Ok. Goodbye, Mr. Watts. Goodbye. Comment vas-tu, Mr. Cox? Times like these, a good drink's just as likely to cause a problem as to I should just run as far away from this place as I can. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas aller par là. Donc Sabrina, j'ai dû lui parler la fois d'avant. Donc il nous a dit qu'il fallait aller dans son refuge. Ah tiens, on peut lui causer maintenant, lui. Pourquoi ça charge? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Bah ça va bien, ouais. Enfin, on voit la tête du vampire. Comment ça, tu l'as jamais vu? Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you?
My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The Bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Ah, tu parlais de ma tronche, Natral, ok. Oui, c'est vrai que y a beaucoup de dialogues. La cam disparaît souvent, en fait. C'est un chasseur de vampires et il sait pas qu'on est un vampire. C'est bien, j'aime bien. D'ailleurs... Ah putain, mais ils font chier avec ces niveaux de charme élevés, là. J'aimerais bien savoir comment je pourrais simplement monter mon niveau de charme. Moi, je à voir, je le prends comme une série de Sherlock Holmes et j'aime bien. Non, mais moi aussi, Avia, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, y a pas de souci. J'ai pas envie non plus d'y passer 150 heures, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment l'histoire principale qui m'intéresse. Aller retrouver le couteau du vagabond, ça me, tu vois, pour avoir un peu d'XP, bof, quoi. Ouais, il est carrément myope, le chasseur, pourvu qu'il remarque pas tes jolis yeux tout blancs. Et ils sont blancs avec un peu de rouge autour, hein, quand même. Allez. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Oh boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. J'ai tellement de jeux de mots pas sortables avec un jeu... Je traitant des vampires, lol. Les sors pas, alors. Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Oh mon dieu, vos yeux sont blancs, cerclés de rouge, et les veines de votre visage ressortent étrangement. Consultons le manuel du parfait petit chasseur de vampires. Ah, parfait. Ça dit que vous êtes un homme sympathique. Tapons-nous la bise. Lol, neutral. Avez-vous déjà songé à rejoindre la garde? Chasser seul. Ouais, neutral. J'en ai fait tout à l'heure aussi. Vous avez déjà songé à rejoindre la garde? Ouais. Were you ever tempted to join the guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. C'est toi qui as écrit scénar, ça se sent. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Okay. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor.
I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. On en vient. If he talks to you, then it's fine by me. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest, of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Oh, Jim Lowe. Goodbye, and good hunting, Mr. Throckmorton. T'as rattrapé ton retard sur Dreamfall, ok, cool. Alors, on va regarder, je vais regarder rapidement, tiens d'ailleurs. Je peux pas me soigner là, ok. Je vais rapidement regarder avec Tom. Welcome back, Doctor. What can I do for you? S'il peut nous dire où se trouve le refuge. Qu'est-ce qu'il nous a dit là? I need to find... I heard the sad saint was... The important... Why not? Where is it? It's in an old warehouse. Ah, voilà. Northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Okay. Goodbye, Mr. Watts. Alors, follow the banks west. And go north. Ah bah, c'est, en fait, ça... Okay. Okay. On a la marque, en fait, j'ai pas vu. C'est bon, tout va bien. Maybe at least I have a crunch on you. Ok. Y'a pas quelque chose de caché là? Je n'ai dispo qu'en VOST, ouais. Il me semble. Another disgusting ghoul did it, don't you think? Oh oh. Moon's a clearance with a freaking vampire then. I can't say, but seems like the guard of Prewa is on Sean Hampton's trail too. You leech! This one's mine! Ah, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Crush the leech, boys. Boss. Je me soigne. Ah putain. Ok. Aïe. Putain, il fait mal. Ok, tranquille. Je me fais pas toucher quand je suce, hein. Crush the leech, boys.
Et ça arrête pas, il arrête pas d'envoyer deux gus. On se calme, on se calme, on se calme. Oh là là. Oh non, sérieusement? Ah fuck. Ah c'est con. Ah j'étais en train de me soigner quoi. Je pensais pas que j'étais dans le feu là. Grillade de vampire. Ah y'a muy caliente là pour le coup, oui c'est clair. Hein. Allez. Est-ce que j'apprends que Dawnnod a annoncé Twin Mirror? Life is Strange 2, je ne savais pas. Je sais pas ce que c'est. Ok. Oh mais putain! Il fait mal en fait quand on reste vraiment dans le... Ah putain! C'est énervant. Je peux pas passer, je peux pas passer. Hein. Si vous connaissez pas Imamami, c'était cool. Go y jouer. Ça me dit quelque chose, je sais plus. Je sais pas si j'y ai joué. Je crois pas. Bien. Tellement mal. Les déplacements sont un peu lourds, oui, je le confirme. Surtout que son fucking chalumeau, il fait mal. Ultra mal. C'est énervant. C'est super agaçant. Si tu pars loin des flammes, juste à tirer deux autres. Mais le problème, c'est qu'il les réinvoque en boucle, en fait, Avia. Il les invoque en boucle. Il faut que je tape le boss, quand même. J'avais pas un autre sort aussi que j'avais appris. Je sais plus.
Où est-ce que je vois mon personnage niveau de pouvoir et de charme? Non, je crois pas. Ok. Non, il n'y a pas vraiment le droit à l'erreur. Je pense qu'ils sont... Je suis peut-être un peu bas level, en fait. C'est quel level? Niveau 16. Ils sont niveau 16, en fait. Donc là, en fait, les petits, il faut que je m'en serve juste pour récupérer du sang. Donc c'est que le temps... Oh, putain. Faut que j'arrête de target aussi. Je pense que ça, ça me tue aussi là, le manque de target. Alors là, j'ai plus de sang. Hop. Ouf. Putain. Je fais le con. Allez.
Allez. Ok. Nickel. Ouh, il est éteint, ouais. Mais... calme. Merci. Eh bah bordel. Ce fut intense. J'ai pas vu, on peut aussi baiser la vie max des boss. De quoi? Hein? Ok, moi non plus, j'ai mal. The wounds on this corpse are deep. The result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Ok. Quelle heure est-il? Il nous reste une heure encore. Merci, ça nous a frisé les cheveux, ouais, carrément. Ah, du coup, j'ai loupé du chat. Alors, j'étais déçu de pas trouver dans Life is Strange, pareil pour Vampire, une boîte française, ça le fait pas. Ouais, mais ça coûte bonbon, à mon avis, de payer des acteurs pour faire de la VF, en fait. Je sais pas si c'est rentable, au final. Mais oui, je comprends, c'est vrai qu'une boîte française, un studio français, tu peux te dire que... qu'ils allaient quand même faire des voix en français, quoi. Mais bon. Voilà, ils ont visé la langue la plus parlée, manque de moyens. Exactement, je pense que c'est ça. Ok. Bien, où va-nous? Trouver Shenhampton, toujours, ok. Par là, donc. C'est quoi ce bordel là? Ok. Rien à loot là, rien à loot. Vraiment rien à loot. Je suis déception. Il va y avoir les trucs à loot là, je suis sûr. Allez, allez. Elle a du loot. Ah 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 ah. Ouais. Un anneau et de la graisse. Je demande le peuple. Et des chevrotines. Ok. Oh, il y a du vilain là. Oh, il y a du vilain là. Vilain là, vilain là. Il y a deux vilains. Niveau 17. Il faut vraiment que je passe des levels là dans cette histoire. Ah! Dégage. Meurs. Qui connaît tout de Moon? Bah moi. Je connais mais j'ai pas vraiment joué. En fait, je me suis arrêté un peu au graphisme. Le scénario a l'air vraiment bien. Mais ça m'a pas plus que ça au niveau graphisme au début, en tout cas au premier abord. Mais je pense que je le ferai un petit peu. Moon, il est génial à virer. Il est très bien ce film, c'est clair. Ok. Ok, bon, c'est par là, hein. On a des sous, on a de l'XP là, en tout cas. Oh, ça fight! Oh là là, ça a l'air de le boxon, on va éviter le fight là. Il y a un gros vilain qui arrive. Il y a du vilain. Ok. Du vilain partout, qu'est-ce qui se passe? Voilà. To the Moon, c'est juste une histoire à émotion qui ressemble à ce qu'on voit dans les cinématiques JRPG sur ça. Voilà, c'est ça qui m'a un petit peu refroidi, on va dire. Ok. Par là, il y a l'air d'avoir du vilain. Il y a du vilain partout en fait là, de toute façon. On est obligé de friter. T'inquiète, je fouille les poubelles.
Mon Dieu. Please, sir. I can't let you through. Die, vermin! Ah! Il est tout seul. Ok, il repart en fait. Nickel. Par là ou par là? Par là. Mais t'es pas du tout le seul vampire en ville. Non, non. Il y a des ghouls. Ce qu'ils appellent des... Comment ils les appellent? Les scales. Voilà. Qui est l'équivalent des ghouls en fait dans le lore du vampire. Et enfin dans certains lords vampires. Et il y a plusieurs vampires, on en connaît au moins déjà un qui est gentil. Après il y en a probablement d'autres. C'est là, comment je fais pour grimper là? Oh non en fait. Ah ah. Je viens de terminer To the Moon 2 Finding Paradise, j'ai pas été aussi ému que le premier épisode, mais c'était bien quand même intéressant, ok. Question, qui a déjà été ému par un jeu vidéo? Tu m'as déjà demandé ça 10 fois. Jim Lao, et oui. La réponse est oui. Et souvent même. Et le très bon exemple, c'est Brothers, A Tale of Two Sons. Ça, c'est le très très bon exemple d'un jeu qui m'avait vraiment ému. Sinon, il y en a plein... Bonjour. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. Giselle. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Hashtag Alzheimer, lol. Faut que tu prennes le temps de regarder les VOD. Ouais, ouais. C'est une bonne idée. On a The Brothers comme étant celui... Ah oh, non, c'est clairement celui qui m'a le plus marqué. C'est Brothers. Ouais, tout à fait. Ok, alors, Giselle. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? Oh là là! As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Oh là là! Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Of course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. Ok. Madame, je suis désolé, mais je pense que au bout d'un moment... Ouh là là. Ouh là là. Ouh, Giselle. Ouh. Oh, fallait pas me parler comme ça, Giselle. On va finir de lui parler. Puis Giselle, elle va faire un... J'avais soif. If you're still alive, I mean. Nom nom nom, ouais. Dire 15. Parce que Hellblade, c'est de ma sacrifice, j'ai été sacrément aimé. Ouais, carrément, carrément. Life is Strange aussi, évidemment, Arnaud. Moi, ça reste Brothers, hein, y a pas de... Bilan de santé, c'est pas idiot. Do you need medical help, Miss Paxton? No, thank you. On n'a pas besoin. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. Faites GG d'avoir pensé à aller chercher la boule lumineuse pendant une fois. J'avais complètement zappé. Je commençais à penser que le jeu buguait et n'avait pas chargé la suite. En haut de l'échelle, si tu te rappelles. Ouais, ouais, carrément, Jimlao. Carrément. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Je peux avoir les détails sur la personne, ouais, regarde.
On peut avoir savoir, donc ça c'est son niveau de charme. Si son niveau est inférieur au mien ou égal, je peux la charmer et la boire. Elle est en bonne santé. Si elle n'est pas en bonne santé, elle rapporte pas complètement tout l'XP. Et en plus, voilà, donc si elle n'est pas en bonne santé, il faut la soigner. Là, en l'occurrence, elle rapporte 1000 d'XP, mais si je déverrouille les 4 indices que je pourrais avoir en parlant à d'autres personnes, eh ben, elle va rapporter à peu près le double, quoi, tu vois. Donc voilà. Son entourage, on sait toujours pas qui c'est. Et voilà. Donc tu vois, elle est où? Elle est là. Giselle Paxton. Mais si je bouffe, si je la bouffe, eh ben, elle va, ça va, l'état du quartier va s'aggraver en fait. Voilà. Hop. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Ok, donc là, on a récupéré un peu plus. Donc elle vaut 1100. Voilà, on a récupéré un indice de plus. Donc 1100. Qui connaît Murdered Soul Suspect? Mais pareil, Jim, là-haut, tu m'as demandé ça. Et tu m'as demandé ça samedi dernier, à la même heure. Je t'ai répondu que je le connais, que je l'ai même fait, que c'est même un jeu que j'ai stream au tout début, où je streamais. Donc c'est dispo sur YouTube si tu veux aller voir mon run sur Murdered Soul Suspect, que j'ai vraiment, vraiment aimé. Hop. Via Londres. À propos de ce quartier. What can you tell me about this vicinity? Tell you what? Just spend a few weeks here and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. Lol, oh là là. Dites clairement ce que non, vous considérez comme ennemi. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Oh. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. J'avais commencé jusqu'à ce que j'ai adoré Blackwell qui parle aussi de fantômes et de médium. Ouais, alors Blackwell, bah, ça n'a rien à voir, à part qu'il y a un fantôme. Jim là-haut. Blackwell est. Je suis vieux, ok. Mais non, t'es pas vieux, justement. C'est un early Alzheimer. Blackwell, il est plutôt. Il est plutôt drôle. Enfin, oui, il y a de l'humour, quoi. Dans Murder the Suspect, il n'y a pas vraiment d'humour. N'avait vraiment aucune idée. Oh no, Miss Paxton, you really don't know my kind. You have no idea who I am. All right, okay. I need to get all worked up. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. La relou. En fait, sur Siberia, j'ai passé le jeu en fenêtre pour capturer la fenêtre, mais OBS me le prend pas, je t'ai essayé. Donc j'ai balancé pas mal de messages sur les forums, j'attends une réponse, je sais pas si c'est mon OBS qui merdouille ou pas. Alors moi, à l'époque, je le faisais avec OBS classique. Hein. Peut-être qu'il déconne pour... Tu l'as sur Steam, Neutral, j'imagine, Siberia. D'accord. Sinon, qui connaît Tetris? Non, je connais pas, moi. I'm looking for Sean Hampton. Can you help? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your royal highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Vous savez quoi? Je vais même pas attendre de voir des indices. Elle m'agace tellement. Elle m'agace tellement. Allez, allons dans un coin sombre par là. Il y a quelqu'un. Faut suivre la traînée rouge. Run on, 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 run on
waste of life. I only managed to be hated by all the people I loved. Et même ceux qui t'aimaient pas. Oui, tout va bien. Tout va bien. Apparemment, j'ai looté une arme. Y'a rien à loot ici. De l'XP, du bon XP. Oui, oui, oui. Les chants des maniaques qu'on entend, ça fait un peu fantasmagoria dans ta tête. Je comprends. Je comprends carrément. Moi aussi, en fait. Alors. Trouver Sean dans la zone. Tiens, d'ailleurs, on va regarder rapidement. Il y a un jeu de mes Tetris Effect qui sortira, je sais quand, mais c'est bien joli. Cool. Je sais parler aux femmes, tout à fait. Comment j'ai séduit ma femme? Je vais toucher le front comme ça. Et je lui fais. Tu viens avec moi. Comme ça, voilà. La streamer glauque en transformation vampirique démoniaque Call 911. Non, dis pas ça, ils vont venir. C'est ça que je voulais voir. Alors. Ok, non, bah non. Tant pis. Hop. It's locked, all right. It's locked. Bonjour, bonjour, vous êtes malade? Qui arrête la drogue? J'arrête la drogue si je veux. Hop. Ok. C'est la séduction avec la main sur le front. Mais ouais, carrément, essaye, tu verras, tu m'en diras des nouvelles. Bonjour. T'as intérêt à être gentil avec moi, toi. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town. You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Paxton, Paxton. Paxton. Oh, merde. Oh, oups. Je suis désolé, ta mère, ta sœur, ta... Je... Elle qui dans Murder, toi aussi t'as vu que le jeu était un peu buggé, pas fini d'ailleurs, la boîte de jeu fermée après avoir sorti le jeu, du coup il n'y a jamais eu de patch. Je m'en rappelle plus, Jim Lao. Je m'en rappelle plus. Je sais pas si c'est sa sœur. Hein. Entourage, c'est... Ouais. Lottie et sa sœur Gisèle Paxton vivent dans la pauvreté depuis le décès de leur mère. Elle est... Bon, on va peut-être abréger ses souffrances, qu'est-ce que vous en pensez? Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. J'ai un bout de votre maman coincé entre les dents, lol. Une main sur le front, l'autre sur les fesses, tous les coups c'est un succès d'estime. Mais lol. Ok. What can you tell me about the Sad Saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the Sad Saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. Méchant, bah, je peux dire, il faut de l'XP quand même un petit peu. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. Oh, t'inquiète, t'inquiète, je peux me débrouiller. You really think I should go back to a safer place, miss? No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. J'ai essayé la main sur le front, mais du coup, je me suis planté, je l'ai mis sur mon front. Je suis sous mon charme car je suis beau, gloire neutrale. Lol, neutral.
J'aime bien les voix anglaises, je suis habitué à leur accent. Par contre, l'américain, je suis pas au point. Ouais, il y a les voix anglaises et il y a les voix irlandaises aussi, en fait. J'ai blanc. Goodbye. Merde, non, pas goodbye. Glad to see you again, Mr. Reed. Ah, elle est gentille quand même. Why do you and your sister Giselle have such opposing views, Lottie? Giselle whines she lost her job due to her unionist activities, which started her drinking. Truth is, she got fired because she's an alcoholic. And you don't share your sister's views? On the contrary, I totally believe that workers need to unite to fight. I just disagree with Giselle's hatred for all wealth and riches. What do you mean? I don't believe that you were an automatic asshole because you were born into a good family. Bien, c'est bien. Perhaps your sister's addiction to alcohol is the result of her despair, but not the cause. Perhaps you're right. But I'm tired of her playing the outraged and martyred social fighter while I earn money for both of us. Don't you think she wants to get better? I believe she knows her alcoholism is a worry to me. And that's another reason why she continues to drink so much. Lottie, tell me about the death of your mother. Giselle killed her, plain and simple. What? She killed her with her daily whims, her laziness, and her complaints. That's quite a statement. You can't kill someone because you're fickle. Mother was very ill, but I forgave Giselle. What I couldn't stand was how she cried at her funeral like she was the one left alone. Qu'est-ce qu'on fait? On la consomme? Perhaps your sister is not as tough as you are. I know that, and I don't blame her. It just makes me sad that my own sister is the person I understand the least. Giselle is the only family you have left. Don't you think it's time you forgave her? Sometimes words are harder to forgive than acts, Dr. Reed. Do you need my medical attention, Miss Paxton? I'm fine, Dr. Reed. Keep your medicine for those who need it. Voilà, fichu pour fichu. Ouais. Ok. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. On peut peut-être avoir plus d'XP quand on aura parlé à d'autres Goodbye, personnes. On va attendre, on va réfléchir, mais I hope Giselle will pull through. Oh là là. OK. Qu'est-ce qu'il y a ici? Hop. Ouais, je me sens qui mange toutes les femmes. Ben non, pas toutes. Juste celles qui sont qui rapportent de l'XP. Ah, ça va être lui. Ouais, c'est lui. Je lui chure ses trucs avant de lui parler, des fois qu'il soit pas content. Ouais. C'est tout. C'est pas mal. Bonjour, mec. Why the long face, doctor? C'est donc tout ce qui... Ah, c'est un personnage central, lui, c'est ça? 6000 d'XP et charme 6. Donc lui par contre Alors, c'est tout ce qui vous inquiète, comment osez-vous? Ils ont tous les deux bien changé. Is it all that worries you, Sean? My long face. Really? This is a blessing for me to become a Skull. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Lui, il a un accent irlandais, mais un gros accent irlandais. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Mm-hmm. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Ouais, il a un accent irish complètement.
But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Wonders never cease. Skal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain. Bof. Aujourd'hui pas trop, monsieur. And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Okay. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? Mm-hmm. But you were close to her. Of course. But she was lost. Separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Ok, explorer les égouts. On a une demi-heure. Chapitre 3 toujours. Hein. Tiens, pas l'outil. Hop, feuille de papier pliée. Pardonnez-moi, Seigneur, pour ce que je suis en train de vous confesser. Je souhaiterais quelquefois n'avoir jamais sauvé Dyson de la naie et de la noyade quand il est tombé dans ce canal. Voilà, je l'ai dit. Je vous en prie, Seigneur, pardonnez-moi car je ne suis qu'un pauvre pêcheur. Dyson est sans doute le cas le plus frustrant que j'ai eu l'occasion de rencontrer depuis l'ouverture de mon refuge nocturne dans l'East End. Depuis des années, j'essaye de comprendre pourquoi cet homme m'irrite aussi souvent et je crois en avoir enfin trouvé la raison. Dyson a arrêté de se battre pour de bon et pour toujours. J'ai rencontré tellement de buveurs invétérés tout au long de ma vie, hommes et femmes, riches et pauvres, jeunes et vieux. J'ai été témoin de combats qu'ils ont menés contre leurs démons, leur passé, leurs sentiments de culpabilité et leurs échecs. Quelquefois, ils arrivent à mettre un nom sur leur sentiment, sur leur détresse intérieure. Quelquefois, ils ne réussissent jamais à identifier la véritable cause de leur désespoir. Mais dans la plupart des cas, pour ces hommes et femmes, boire est devenu un moyen de continuer le combat. Bien entendu, c'est une forme de lutte inutile et autodestructrice, mais cette autodestruction a au moins le mérite de prouver que quelque chose les fait souffrir et qu'ils continuent de se battre contre cette douleur qu'ils ressentent au plus profond de leur être. Même un alcoolique sévère tel que William Bishop continue à lutter contre son addiction et à demander son salut, à demander la lumière du Christ. Et tant qu'il désire trouver cette lumière, il y a de la place pour l'espoir. Dyson de la Naine n'a plus d'espoir, il ne boit pas pour atténuer sa douleur. Non, je suis maintenant convaincu qu'il boit consciencieusement pour le plaisir sadique d'atténuer tout espoir. Je ne sais pas quel est le pire des péchés, arracher délibérément l'espoir de votre cœur ou se prélasser avec complaisance dans l'autodestruction. OMG, dame! Qui host avec plein de gens! Bienvenue à tous, les plein de gens! Tada, I hope you're right, Sean. Sinon, je twerk et je chante Kung Fu Fighting. Lol. Coucou, host des cieux, bienvenue à toi. Ok, alors. Dreamfall, c'est à 23h, c'est ça. C'est dans 30 minutes. Alors, est-ce qu'on a le temps d'aller dans les égouts? Oh là là, Dark Choppy, merci beaucoup pour le follow. Merci.
Attention, il y a plein de gens qui arrivent là. Merci dame, je sais pas si t'es là. Bonne soirée, je peux pas rester mais je repasserai. Ça marche dame, merci énormément pour le host. Et bienvenue à tous ceux qui viennent de la part de dame. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elkino. Je stream de tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Non, Vampire n'est pas n'importe quoi. On est sur Vampire, un jeu d'enquête, d'investigation, avec de l'action. Et on joue le rôle de Jonathan Reed, pardon, ici, qui cherche à capter pourquoi est-ce qu'il a été transformé en vampire et par qui. Prière manuscrite. Merci beaucoup Dark Chuppy pour le follow. Et merci Pomme pour le shout-out. Ceux qui ne connaissent pas encore Dame, n'hésitez pas à aller lui lâcher un follow. Seigneur Dieu, voici ma prière pour ma chère mère, Gertrude Paxton, qui attend désormais l'arrivée de ses filles au paradis. Jusqu'à ce jour fatidique, je vous remercie de m'aider à me réveiller chaque matin et à traverser chaque jour dans la modestie et l'honnêteté de la pauvreté. Veuillez protéger le bon monsieur Hampton qui nous laissait passer la nuit dans son refuge. Je demande humblement votre pardon pour la rancœur que je ressens pour ma sœur, Gisèle, depuis la mort de notre mère. Puissiez-vous la bénir. Merci mon Dieu de m'avoir écouté. Amen. Prépare pour le raffle. Je sais pas, on est à combien 1338 avec Dark Choppy. Il faut encore deux follow pour faire un giveaway. Alors, donc, j'avais dit qu'on irait dans les égouts. Allez, on va dans les égouts. Je sais pas combien de temps, si on a assez de temps pour ça. Mais on va tenter. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, à 23h, on passe sur Dreamfall. Dreamfall qui est un jeu d'aventure point and click. La suite de Longest Journey. Edin, merci beaucoup, Horse des Cieux, pour le follow. Merci, merci. Et bienvenue, en tout cas, à vous deux. Bienvenue chez les Kinou. Alors, c'est par là, il y a du vilain. Voir si on peut y arriver sans fight. Mass XP aussi. Hein. De la garde de Priwen. 27 octobre. Alors, du poste de commandement de la garde de Priwen à la patrouille des docks. Sujet chasseur de vampires, imposteur à éviter. Certains de nos éclairants nous ont récemment signalé la présence d'un certain Ichabod Throgmorton sur les docks de l'East End. Vous le verrez probablement patrouiller la zone de nuit, prétendant être un spécialiste de l'extermination des vampires. Cet homme est un parfait imposteur, ce n'est pas un escroc car il ne demande aucune compensation pour son travail, mais il n'a manifestement aucune idée de ce qu'il fait ou raconte. Si jamais il vous propose de collaborer ou de chasser ensemble, refusez et laissez-le partir dans un combat contre un suceur de sang. Le pauvre homme ne pourrait servir à rien d'autre qu'à faire l'appât. Ok. Je vois que je vais faire un giveaway pour Life is Strange un jour, j'ai jamais eu une nouvelle de la personne qui avait été tirée au sort. Ok, c'était qui, tu te rappelles? Moi j'aime pas Dame, il dessine trop bien, ça me frustre. Moi je déborde des lignes avec mes feutres. LOL. LOL la vie. Je comprends. C'est vrai que c'est énervant quelqu'un qui dessine aussi bien. Ah, est-ce qu'on va peut-être pouvoir là. Allez. Dégage. Loot. Ok. Trouver l'entrée des égouts. Need l'entrée des égouts. Ça doit être en bas, hein. Les égouts, c'est fatalement en bas. Ah, d'accord. Ça met rien sur la map. Non, c'est dans la zone ici, quoi. Ok. C'était Miala ? Bah Miala est là, elle était là tout à l'heure. Hein. Mais c'est dommage, insiste. Oh là là ! Insiste Valfi. Insiste Valfi alors que. Juste parce qu'il y a Valfi qui host. Insiste Jim Lao. Valfi, merci beaucoup pour le host. Heureux. C'est un auto, c'est ça non de Valfi, je ne sais pas. Non, même pas. Life is Strange prequel, Life is Strange, Captain Spirit. Faut qu'on y joue, Captain Spirit. On va le faire. Faut aussi que je fasse farewell
Adieu, le dernier l'épilogue en fait de Before the Storm. Donc à mon avis, il va falloir que je descende. À mon avis. Ouais, allez, on descend. Allez. Putain. Oh là là, il y a du monde, hein. Ok, je pense qu'on va tracer. Par là ? Non. Coucou Alex ! Ah bah tiens Alex ! Tu tombes bien. Il faut que tu dises à Miala que... qu'elle a gagné un jeu la dernière fois. Elle a gagné l'intégrale Life is Strange. Bah, le premier Life is Strange en fait, mais l'intégralité des épisodes. Et Jim Lao a une clé pour elle. Le gars est attachant. Bah, j'espère, on verra bien. Pas de spoil. Pas de spoil, s'il vous plaît. Ah, c'est là l'entrée. Oh, niveau 18, quoi. Oh la vache, comme ils font mal! Oh la vache! Non! Oh putain! Eh ben voilà! Tu vois, Jim Lao? Suffit de demander! Bordel, mais le truc, il a 6 levels de plus que moi, quoi! Et ils sont 3! Ok. Bah on y retourne hein. Allez. Je sais pas si on aura le temps de faire grand chose. Bon, au moins rentrer dans les égouts. Essaye Fufu. Mais encore une fois, via la Fufu, c'est ça. Y a pas de mode Fufu. This is no place for a gentleman. Last warning, sir. Oh merde! Ok, tiens, on voit au travers des trucs. Ok. Retourner looter l'autre. Bon, alors l'autre possibilité, c'est peut-être faudra les attirer. Ah mais non, parce que ça passe en mode combat. Quand ça passe en mode combat, je peux pas... je peux pas looter, en fait. Je peux pas ouvrir les trucs, je peux pas interagir avec l'environnement. Désolé, je reste pas, je vais aller me reposer. J'espère que demain, ça ira mieux, puis que je prends le boulot. Bah écoute, bon courage, Valfi, merci beaucoup pour le host. Et y a pas de souci, t'inquiète pas. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. Ok. Voilà. Allez. Merde. Non. Ok, cool. En fait, du coup, les scales m'ont bien aidé là. Dans l'histoire. Giselle's stolen money. Priwan has some unethical ways of financing their war. Enquête échouée. Vu qu'on a tué les gens, forcément, hein, bravo Elki, hein, GG. Ok. En fait, pour optimiser le truc, il faudrait attendre avant de tuer les gens, avant de les consommer, il faudrait attendre qu'on ait fini les enquêtes qui sont liées à eux en fait. Ok, donc. Toujours qu'on aille là. Hein. Est-ce qu'on peut pas rentrer par un autre moyen? J'aimerais bien les séparer aussi. Si je pouvais les faire.
un par un. Ça serait quand même mieux. Stupid beast. Oh là là. On essaie de se péter celui-là. Ok. Voilà, ça va le faire. Aïe. Ah bah si j'ai plus d'endu hein. Ah, ça fait mal. Oh vache. Qu'est-ce qu'il y a? Oh la vache. Je voulais pas le sucer, je voulais attendre un petit peu. Ok, cool. On est good, ouais. On est bon. Soigner, ok, nickel. Et on rentre là-dedans. Allez, est-ce qu'on peut le faire en 15 minutes? Merci, j'en doute parce qu'il doit y avoir un boss à la fin de ce truc-là. Merci Avia. J'ai aussi offert Flame in the Flood après, je connais pas du tout le jeu. Alors, Flame in the Flood, il y a Marc qui l'a fait, qui l'a découvert. Moi, j'ai testé du coup, parce que j'avais été voir chez lui, du coup, je m'étais spoil. Du coup, j'y ai joué de mon côté et en fait, j'aime pas ça, je suis pas fan. C'est pas pour moi. J'ai pas les graphismes. Le jeu est. Je sais pas. Ça s'explique pas vraiment. J'ai pas aimé. Explorons les égouts donc. Chicken chilling. Coucou T-Rex, bienvenue. It's locked. Comment vas-tu? Plaisir de te voir ici. C'est un plaisir. That doesn't work. Ok. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Et pourquoi est-ce que ça devrait marcher? C'est pour ouvrir la... Il faudrait ouvrir la porte en fait. Tout connement. So that's it. These wheels control the water level. That doesn't work. Toujours pas. Il faut peut-être... on va peut-être trouver toutes les valves. Si vous voulez un jeu en coop local sympa... Il y a Lovers in a Dangerous Space Time. Ça me dit quelque chose. On ferme. On ouvre. On va l'ouvrir. Hein. J'imagine. Je peux me téléporter là, mais je sais pas s'il y a un intérêt. Ah bah si, du coup je peux passer par là. Je peux pas monter là. Et je peux pas monter là non plus. Ok. Vous avez vu le nom de la quête? Qui veut noyer son chien? Je peux pas utiliser celle-là. Là, y a rien. Ok. J'imagine que. Ah, le but du jeu, c'est de passer la grande porte. Donc pour ça, j'imagine qu'il va falloir tourner toutes les valves. Il doit y en avoir une autre, en fait. Donc celle-là, on la laisse ouverte. Ah bah tiens. Eh ? Ou faut les fermer toutes, en fait. Ah, il va falloir que je vire les tonneaux, en fait. D'accord, capté. Qu'en fait, on peut ouvrir la première pour pouvoir aller jusque-là. Pour virer les tonneaux. Ok, capté. Ah. On ferme celle-là. Et on ferme celle-là. Du coup, il n'y a pas d'eau. Du coup, on peut ouvrir ça. Ok. Ding. Ok.
Un jeu très coloré avec les lapins de l'espace où il faut contrôler des vaisseaux spatials à plusieurs. Lol, ok. Qu'est-ce s'est passé là? Il y avait un truc, hein. Je suis pas fou. Ok, bon, je vous rappelle aussi, alors pour ceux qui connaissent pas la chaîne, il y a un live aussi demain à 16h, on continue Little Big Adventure, un jeu de 1996 je crois, 94, je sais plus. Et après il y aura Ori à 18h, Ori and the Blind Forest, hein. Je rappelle aussi que exceptionnellement il y aura une heure de plus, donc ce sera 3h, on finira à 21h. Enter at your own risk. Pénétrez ici à vos risques et périls. Ok. Ah, rat, rat, rat. Des rats, des rats. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. Non, personne peut. 95 peut-être, ouais. On va couper la poire en deux, c'est ça, Jim là-haut. Modérer un LSD des années 70 sur NES de quoi. Ah oui, le... Ah, vu le titre déjà. On est déjà venu là. Est-ce que je rebrousse chemin là, ou quoi? Ah non, si. I cannot enter. C'est pas la même porte. Oh là là, non. Bah oui, évidemment, on va aller là-dedans. Oh putain! These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again? The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Mama! Learn to respect the laws of Ascalon. Aïe! Fergal. Infernal Banshee, the hand that crushes all. Once you vanished, I'll slaughter these scalds while singing your name. Ah! Il triche. My power, you cannot conquer. Foolish Ekon. Il triche. Dare try to dictate to Ascalon. Aïe. Slow as a snail. Oh merde! Oh là là, c'est pas mal! I shall tear them apart and spill my blood to the pit. Power you cannot comprehend! Oh! Le con. Down, stay down. Il est où? T'es où? Ah, il est là. Return to your apothecary.
Your blood is now mine. I shall crush you. Merde! Your blood is now je sais pas, j'ai pas encore vu d'ennemis qui se soignent. J'imagine. I shall crush it. J'imagine que ça va arriver. Allez! Yes! Oh, il doit y avoir une deuxième phase. First try easy. On va voir, on va voir. Pas. Ouais, ah si, ah bah si. Nickel. GG first try, merci. Il a rien looté. J'ai looté des trucs, j'ai même pas vu. Merci les gens. Alors, par où on va? Faut continuer d'explorer les égouts, mais. Ok, on a 5 minutes pour le prochain jeu. Est-ce que je passe par là? Ok, ça doit être un raccourci en fait. Non. Oh. At least one skull escaped Fergal's wrath. Ok. Je sais pas si ça a sauvegardé en fait. The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. Par là-haut? J'imagine. Après, c'est pas très dur quand on est habitué à Dark Souls en fait. Faut juste dodge et pas être greedy. Oh, il y a du monde. Safe we are, still. Drink now. Bless you, Bridget. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. Salut. Qu'est-ce qui se passe ici? Territoire des Skulls des égouts. OMG. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us vampires. But thank you. Est-ce que tu as une vision vampire? Ouais, on voit le sang en fait. Il voit le sang. Je suis en de m'envoyer ici, vous semblez si triste. Elle vous chien les égouts. So you're the sewer dog I've been told about. But who are you really? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Echon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Echon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Echon or a Skull. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. Mm-hmm. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Je lui fais pas confiance pour être un meurtrier. Peut-on lui faire confiance, tiens?
Sean is a Skull. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Ok. Je crois que ça a sauvegardé. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Malheureusement. Et voilà, tu vois, tu peux voir, effectivement, tu vois les gens et les traces de sang. Et c'est vrai que j'avais pas pensé tout à l'heure à Via à le faire. J'aurais dû faire ça. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire, en fait. Niveau de charme, 8. La pépette. Non, voilà. Ouais, on va être obligé de s'arrêter là, malheureusement. J'ai 4600 d'XP à dépenser, la vache. Mais bon. Et je pense qu'on est... On est bien bien avancé dans le chapitre 3 là. Donc c'est cool. Ok, allez, hop. Et si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube ou sur Twitch, c'était Telkinou avec l'épisode numéro 4 de Vampire. Merci beaucoup et au prochain.